pourquoi? Ben parce que vous ne courez pas quand il faut, c'est tout. Hein. Vous savez pourquoi vous vous courez dans le vide? Parce que vous réagissez une fois que les autres ils ont le ballon dans, dans les pieds. Donc les autres, ils vous donnent. Mais alors là, ils vous ridiculisent. Moi, je rigole de vous voir jouer tellement vous êtes mauvais. Et en plus, vous êtes incapable de réagir. Vous mettez tout le dos des autres. Ah ouais, mais lui, à lui. Et avant de regarder le dos des autres, commencez par vous regarder vous-même. D'accord? Quand on vous donne des consignes, essayez au moins d'avoir l'intelligence de l'appliquer. Oh mais moi c'est pas ma place, je ne joue pas, je marche. Ok, bah ouais, moi je vais vous dire, c'est pas... Mais oui, non, mais c'est facile hein, de faire ça. Moi je vais te plaire, hein. Si vous voulez pas vous faire chier, bah moi je vais pas m'emmerder non plus. Hein. Je veux dire, moi je vais pas aller chercher un mec à tortille, hein, un mec à 5 fois ou un mec à trifouiller les oies. Moi si je le fais, c'est pour le club, c'est pas pour moi. Donc si vous voulez pas faire d'efforts, je vais pas en faire non plus. Ok? Parce qu'après, se reposer sur ses lauriers, c'est facile. Mais se regarder dans une glace, c'est autre chose. Alors, on va reprendre tout depuis le début. Ok? On va tout... Renan, c'est pareil. Tu gueules de partout, tu fais même pas ce qu'on dit. Mais non, c'est pas de ta gueule. Mais non, mais... Alors, on va commencer par le début. Écoutez-moi bien. La première chose. Momo, on joue pas la ligne. Première... Non, écoute-moi, tu te tais. On ne joue pas la ligne. Tu joues derrière le stopper. 5 mètres derrière, je veux pas qu'on remonte quand on a le ballon, pas quand on n'a pas le ballon. Première chose. Parce que les buts qu'on prend, GG, c'est pas la peine que tu montes, GG, il est 4 mètres derrière tout le monde. Ça sert à rien. Il met le ballon de l'autre côté, le mec il est pas hors jeu. Donc tu couvres. Ok, point. En deuxième mi-temps, tu couvres et tu te tais, tu parles pas. T'as compris? Non, tu dis rien. Tu dis strictement rien. Kérien, il était 4 mètres derrière. Je m'en fous, Kérien, il joue devant toi. Moi, j'ai dit, t'as rien à dire. Toi, t'as strictement rien à dire. Quoi. Ok, moi, je veux que tu dis, mais ça va rien donner. Hein. Kérien, il prend le mec dans sa zone, il joue devant toi. Justement. Kérien, il joue bien depuis le début. Elle a... Et on monte pas, on monte pas contre sens du jeu. Ok, donc, GG, déjà, tu vas sortir. Renan, tu vas passer arrière à gauche. Comme ça, tu vas pas me gonfler. Ok. Donc, au milieu, comment il s'appelle, Kérien? Tu vas jouer milieu gauche. Non, Brian. Brian, pardon. Tu vas jouer milieu gauche, d'accord? Coco. Il est où Coco? Ça? Ah pardon. Tu vas rester milieu... Là tu vas rester milieu droit, d'accord? Nico. Il est où Nico? Nico, tu vas passer à l'aile droite. Et puis Cyril, il va jouer devant. Ok? Alors, et je vais quand même vous expliquer quelque chose. C'est qu'on avait vu jouer ici il y a 3 ans, à la mi-temps, faire des 3-0. On a gagné 4-3. Ok, faire les 3-0 à la mi-temps. Mais, hey, je vais vous dire une chose, les gars, si on continue à jouer comme ça, à jouer comme ça, bah, des matchs qu'on joue plateau, qu'on joue Neuchâtel, qu'on joue machin, on va pas en gagner un seul. Parce qu'on n'est pas organisé, on n'est pas sérieux, on fait rien. Après, si, alors après, je vais vous dire, si vous voulez discuter, si vous n'êtes pas d'accord sur tel truc, vous venez me voir. On en discute ensemble. Ok, il n'y a pas de problème, on en discute. Vous me dites, vous me faites prendre conscience. Pardon, lui, c'est là, c'est pas la bonne place, machin. Venez me le dire, mais pas pendant le match, à l'entraînement. Parce que déjà, à l'entraînement, il faudra peut-être que tout le monde vienne s'entraîner. Pas s'entraîner une fois, non, mais on peut jamais. Ok? Ah, moi, je peux pas. Non, mais je sais qu'il y en a qui passent pas, mais ça, on fait avec. Okay? Il y en a qui peuvent, ils viennent pas. Donc, mercredi, c'est les vacances, on s'entraîne à 16h, et moi, je prendrai uniquement notre groupe. C'est moi qui vais te prendre le groupe. Ok? Ça ne sera pas ni Denis, tu sais que toi, t'es pas là, mais. Je suis là, ok? Donc, tous les autres. Tous les autres, vous êtes là, on va s'entraîner de 16h à 17h. Je vais prendre que notre groupe à nous. Ok? Et on va se démerder. T'es compris? Donc, Kérien, tu joues pas derrière Momo, tu joues devant lui. Si t'as personne, tu montes dans le milieu de terrain. Ok? T'es compris? Là, vous changez de passe. Ah, on a essayé, mais ça donne pas. Ça donne pas bien. Non, Momo, reste en 5. Le souci, le seul souci qu'il y a, le problème, je vais dire, si c'est toi, problème. Tu fais monter, GG, il n'a pas l'habitude, on va pas le blâmer, GG, il n'a pas l'habitude. GG, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le BAB, on lui a appris idiot, je ne sais pas si c'est le nom, le BAB idiot, il garde son joueur. Comme son sait, il reste là, mais lui, il reste derrière, et puis l'autre bloc, bah, l'autre bloc, il est monté, le mec, il fait renverser le jeu, le deuxième, le troisième, c'est exactement ça. C'est que GG reste sur son mec. Faut pas s'occuper du mec. Si Momo il a dit on monte, tout le monde doit être aligné avec Momo. Et Momo, ce que je veux que tu fasses, c'est quand on n'a pas le ballon, tu cours. Quand on a récupéré le ballon, tu fais monter. D'accord? Alban, Renan, Kérien,
personne doit derrière Momo. On est bien d'accord ? Il a commencé à aller comme moi. Du coup, c'est le même mouvement. Bah justement, il va aller d'inverser en deuxième mi-temps. On croise. Ok, on croise. Cyril, t'es prêt ? Je pars, tu vas l'inverser. Allez, les gars. Oh, il y en a d'autres, Mathieu. Il y a des prises de tête, il y en aura d'autres. On va se rendre. Everybody's on.